Marche! Oh, s'il te plaît, de l'eau. Tu n'auras pas d'eau. Et tu vas manger tous ces piments. Tu es à l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison. Et je te le ferai payer jusqu'à ce qu'il ne te reste plus une seule goutte de sang. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? T'es aveugle ou quoi? Dégage! Que fais-tu dans ma voiture? Dégage! Dehors! Oh, venez-moi loin d'ici! Elle veut me suivre, s'il vous plaît! Voilà, on y est. On y est? Comment as-tu su où je viens? Chez toi. Lizzie. Comment connais-tu mon nom? Je ne t'ai pas dit mon nom. Ça te dirait de sortir avec moi? Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour qui te prends-tu? As-tu une seule idée de ce que je traverse en ce moment? T'as pas la moindre idée. Tout ce qui intéresse ta petite personne, c'est d'avoir un rendez-vous avec moi. Et probablement me mettre dans ton lit. Les hommes, vous êtes tous les mêmes. Pensons. Oh non, quelle grincheuse tu fais. Va te faire foutre. Adaizé. Attends. Adaizé. Bébé, réveille-toi, c'est maman. Adaizé, réponds-moi. Adaizé, bébé, réveille-toi, c'est maman. Adaizé. Ada, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Adaizé. Ah, Dieu. Mon bébé. Non, pas mon bébé. Bébé. Oh, mon Dieu. Viens. Non, elle ne va pas bien, elle fait une crise. Attendez. Attends. Bébé, donne-moi ce médoc, dépêche. Bébé, ça va aller. Maman est là. De l'eau. Maman.
sont des bébés. Ça va aller, dépêche-toi. Dépêche-toi, Dani. C'est fini. Maman est là. Maman est là. Maman. Dépêche-toi, Daniel. Dépêche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dépêche, dépêche. Dépêche. Dani, dépêche. Je suis là, je suis là, je suis là. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Vas-y, prends un peu d'eau. Les remèdes. Bébé, bébé, bébé. Adao. Bébé, bois, bois, bois. De l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Allez, bois de l'eau. Bois, bois. C'est bon. Soleil. Dani, c'est bon. Désolé, désolé, désolé. Ça va aller. Désolé. Bébé, ça va bébé, ça va bébé. Maman est là, papa est là, ça va. Bébé? Ah. Où est Daisy? Ah, Daisy. Ouais. Je pensais que... qu'elle était dans sa chambre. Ah, ouf. Daniel? Tu n'as pas touché à ton repas. Je pensais que... que le petit déjeuner serait mieux que ça, tu vois, un truc léger. Comme le petit déjeuner au lit, tu vois, quelque chose, tu vois... un truc sexy comme toi. Tu n'es pas... pas encore, mais j'aimerais bien. Ah, t'es grave, toi. Monsieur Zaro, la boss lady en personne. Boss lady. C'est moi. Bonjour, monsieur Zaro. Bonjour, comment vas-tu, ma chère? Je vais bien. J'ai attendu pour que vous m'aidiez à faire mes devoirs. On ne les a pas fait hier et je dois bientôt partir à l'école. Ouais. Mais attends, pourquoi n'as-tu pas porté ton cardigan? Allez, entre, entre et va le porter. Je ne vais pas mourir parce que je ne le porte pas pour une minute. C'est bon, je vais bien. Et ton petit déjeuner, tu as mangé quelque chose? Je prendrai le petit déj après avoir fini mes devoirs. Ok. Tu vois, en fait, je m'apprêtais à laver la voiture de ton père. Mais je vais d'abord m'occuper de toi, hein? Donne-le-moi. Monsieur le professeur et son élève. Sarah. Oh, Sarah, bonjour. Bonjour. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Merci. C'est Adézé, gentil. Tu as déjà déjeuné? Pas encore, mais j'ai bu un verre d'eau. Je sais que je dois boire beaucoup d'eau pour purifier mon sang. Dès que je finirai mes devoirs, je prendrai mon petit-déj et je boirai mes médocs. Ok, alors où est ton cardigan? Pourquoi ne le portes-tu pas? Et toi, au lieu de l'amener à l'intérieur et la forcer à porter son cardigan, tu es là à lui enseigner des bêtises. Monsieur Azaro ne m'enseigne pas des bêtises. En fait, il enseigne mieux que mon professeur à l'école. Je ne sais même pas pourquoi il n'enseigne pas dans les grandes écoles. Hey, boss lady. Quand tu vois une boss lady, pas besoin de demander, tu le sais. Maintenant, ravale tes vilaines paroles. Hein? Comme si tu savais d'où je viens. Regarde-moi bien. Hein? Un homme comme moi, étais-je destiné à être un gardien? Tu dis que je lui enseigne des bêtises, tu n'as pas de respect? Mais ce n'est pas grave. Dépêchons-nous pour que je puisse manger ce poison. Avant que je ne meure. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu as? Toi et moi, ça va très bien que c'est du poison, ça. J'ai dit, laisse-moi gérer ça. Mon repas, du poison. C'est bon, laisse. C'est ton problème. Sarah. Pourquoi, diable, ont-ils annulé le contrat? C'était juste une erreur de calcul de ma part, une erreur que tout le monde pouvait produire.
ont-ils la moindre idée de ce que je vis actuellement? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Monsieur, je ne pense pas que nous devons perdre espoir. Je veux dire, c'est possible qu'il n'ait pas confié ce contrat à une autre entreprise. De quoi est-ce que tu parles? Je leur écrirai une lettre dans laquelle je dirai que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. J'essaierai de leur faire comprendre combien nous mettons un point d'honneur sur la qualité de nos services et comment l'erreur que j'ai commise n'était pas... C'était mon erreur, pas la tienne, la mienne, la mienne. Je sais, mais monsieur... S'il te plaît, dites-leur que... Excusez-moi. Ok. Allô, maman. Bon après-midi. Quoi? T'es en chemin pour ma maison? Non. Non, il n'y a pas de souci. Tout va bien, t'inquiète. Ok, on se voit tout à l'heure à la maison. Monsieur, tout va bien? S'il vous plaît, faites tout ce qui est possible pour décanter la situation, ok? Ok. Mademoiselle Sarah? Oh, mon Dieu! Daisy, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais que tu n'es pas censée être ici. Ok, bien, qu'est-ce qu'il y a? Ayant ce qu'il en est, je t'ai dit que j'étais fatiguée de répondre à tes questions, alors ne me pose plus d'autres questions, s'il te plaît. D'accord, tu... En fait, ce n'est pas vraiment une question. C'est juste une humble requête. Ok, bien. Peu importe, dépêche-toi juste et libère cette cuisine, je ne veux pas de problème. Ok. Eh bien, j'aimerais savoir quand est-ce que tu épouseras Monsieur Osaro. Qu'est-ce que tu as dit? Ne sois pas surprise, enfin. C'est que je vois la manière dont vous jouez tous les deux et... C'est exactement de cette manière que mon père et ma mère ont l'habitude de jouer. Et ça me plaît. Honnêtement, je pense que si tu te maries avec Monsieur Osaro, vos enfants adoreront la façon dont vous jouez. Alors? Quand est-ce que tu te maries avec Monsieur Osaro? S'il te plaît, Adézé, tu sais quoi? Retourne dans ta chambre. Attends. Et je viendrai. Ça me revient à l'instant. Au ciel. J'ai parlé d'enfants et ça m'a fait réfléchir. Qu'en dis-tu si mes parents me donnaient... un mignon petit frère ou petite sœur? Tu sais que j'ai toujours eu l'impression que j'ai un mot à dire au sujet de comment mes amis doivent mettre fin à leur relation. Je t'assure. Mais regarde-moi à présent. C'est drôle de savoir que j'arrive même pas à pouvoir régler mes problèmes avec Emeka. Tu sais que ça a toujours été notre problème. Mais bon, ce qui importe le plus, c'est ton bonheur. Tu ne peux pas le nier. À présent que c'est confirmé que le génotype est AA, vas-y, donne 100% de ton amour à Emeka. 100% de quoi? Non. Je ne permettrai à aucun homme de briser mon cœur en 1000 morceaux, ok? Donc ce sera 50-50. Madame. Sarah, qu'y a-t-il? Elle ne veut pas me laisser faire mon travail à la cuisine. Adaisé, pourquoi la déranges-tu? Maman, je ne pense pas que je la dérange. Comment pourrais-je déranger quelqu'un que j'aime? C'est une bonne personne et j'adore les bonnes personnes. Ok, c'est bon, je resterai à la porte et je ferai tout ce que tu voudras. Crois-moi, je ne t'embêterai plus. Merci. Je t'aime, maman. Merci, Sarah. Merci, madame. Pourquoi tu la laisses entrer à la cuisine? C'est une grande fille. Elle sait quoi faire.
T'es sûre? Mon mari est rentré. Ok. Ah, d'accord. Tenez-moi mon sac. Tenez, monsieur. Hey, bienvenue, Ifoima. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais sur le point de partir. Vraiment? J'espère que c'est pas à cause de moi. Oh non, elle était faire un test génétique et elle a profité pour venir me voir. Oh waouh, c'est génial. Merci d'être passée. Mais de rien. À plus, ma belle. Bye. Okay. Comment était la journée? Oh, bien. Et pourquoi es-tu rentrée tôt aujourd'hui? Pourquoi n'allons-nous pas dans la chambre afin que je te montre comment a été ma journée? J'ai quelque chose à te dire. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Oh non. Je connais ce regard dans tes yeux. Et je n'ai pas la tête à faire des galipettes pour le moment. Sais-tu à quel point tu m'as manqué? Allez, je veux te montrer un truc. Me montrer quoi exactement? Non, les actes valent mieux que les paroles, bébé. Viens avec moi, viens, 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 viens. Ok, bébé. Hey. Yeah. Maman! Hé, hey, mon fils. Ah. Maman! Oui, mon fils. Maman, t'es là. J'ai dit que je venais vous voir pour voir comment vous allez. Maman, t'as bien fait, c'est gentil, c'est gentil. Une très bonne mère. Oh, maman, merci, maman, merci. Bienvenue, oh. Maman. Ah, ah. Ma belle-fille. Hein? Nemo. Hé, Nemo. Ken Kime. Hein? Comment tu vas? Nemo. Maman, bienvenue. Quelle surprise. Nda. C'est une grosse surprise, maman. Bah, maman, tu n'as pas idée à quel point je suis contente. Merci. Bienvenue, maman. On te voit. Mon génotype est AS. Et quelle a? Hé, bébé. Bonsoir, mon cœur. Et ça va? Ça va, bébé? Ouais. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi cette question? Est-ce que tu as bu? Oh, j'ai juste bu un tout petit verre. Rien de bien grave. On est sûr? Oui.
Tu sais que tu peux tout me dire, pas vrai? Oui, je sais. Quel est le problème? Chérie, c'est... rien de grave, c'est juste... juste des choses de femme, tu vois? C'est ça. Mmh. Mmh. Vraiment? Oui. Mmh. Ok, je suis là maintenant. Tout ira bien. Oh mon Dieu, il est si gentil. Comment le lui dire? Comment? Quoi? Tu dis? Ify, est-ce que tu veux en parler? Mon cœur est là maintenant. Alors, tout ira bien. Je t'emmène faire du shopping, d'accord? Je pense que ça pourrait peut-être changer tes idées. Merci. Allez. Allez, ça va. Ça va. Dépêche, d'accord? Allez. On se dépêche. Hmm? D'accord. Je peux aller dans cette, n'est-ce pas? Daniel, ne pense pas que je suis assez stupide pour croire à cette fameuse surprise. Tu savais que ta mère arrivait. C'est pour ça que tu es rentré un peu plus tôt aujourd'hui. Mon cœur, je n'ai pas discuté de ça avec elle. Elle m'a appelé, j'étais encore au bureau pour me dire qu'elle est en chemin pour la maison. Pourquoi est-elle là? Essaye de... te calmer. Si tu ne lui poses pas la question, comment sauras-tu pourquoi elle est là? Je ne sais pas à quoi tu penses à l'instant, mais je te demande de te calmer. Daniel, je te l'ai dit. Pour être plus clair, je m'étais juré que plus jamais dans ma vie, je ne laisserai ta mère prendre le dessus sur moi. Donc si tu sais comment la faire partir, s'il te plaît, fais-le. Bébé, allez, allez. Allez, bébé, allez. Tu sais que je ne peux pas lui demander de partir juste comme ça. Daniel, je suis fatiguée que ta mère me fasse la guerre pour quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux plus du tout le supporter. Alors, si tu veux éviter une troisième guerre mondiale, fais-la partir. Bébé, tu vas te calmer. Ne me demande pas de me calmer. C'est si facile pour toi de le dire parce que ce n'est pas toi qui reçois des mots blessants et des insultes qui blessent comme un couteau. Je ne la laisserai plus jamais le faire. Plus jamais. Je ne le ferai pas. Un souci? Pas vraiment. Mais je voulais que nous parlions de quelque chose de très important avant d'aller faire du shopping. Ok, qu'est-ce que c'est? Ça fait déjà un moment que je m'interroge sur notre relation. Et je pense que nous devons... Un instant, mon cœur. Tu essaies de rompre avec moi? Avant que tu ne m'interrompes, j'étais sur le point de te dire que je ne veux plus. Je ne sais pas combien de temps je supporterai encore de vivre avec toi sans faire de toi ma femme. Est-ce une demande en mariage? Une demande de mariage n'est-elle pas censée se faire avec une bague? Oui, bien sûr. Comme celle-ci? Oui, comme celle-ci. Ifoma, veux-tu m'épouser?
Ah, Sarah. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie, madame. Mamie! Hé! Regarde ma petite fille, Nemo! Mamie, quand es-tu arrivée? Mademoiselle Sarah m'a dit que tu étais là, mais je pensais qu'elle blaguait. Je suis là. Mais, regarde comment tu es très gentille. Très bientôt, tu iras en mariage. Oui, tu es une gentille fille. Je ne suis pas juste une grande fille, mamie. Je suis une boss lady, c'est comme ça que tout le monde m'appelle dans la maison. Boss lady? Ah, j'espère que ma boss lady va à l'école, n'est-ce pas? Oui, mamie, je vais à l'école et j'aurai beaucoup de diplômes. Tu auras beaucoup de diplômes parce que tu es une fille très gentille. Sarah? Oui, madame. Oui, madame. Ramène Adaïsé dans sa chambre et donne-lui quelque chose à manger. D'accord, madame. Adaïsé, allons-y. Attends. Je suis en train de parler à ma grand-mère. Elle vient juste d'arriver. En plus, je n'ai même pas faim. Adaïsé, on aura tout le temps de bavarder. Beaucoup de temps. Ta maman t'a demandé de suivre Sarah. Alors, vas-y. Ok, grand-mère. Tu ne parles pas quand je parle. Maman, j'essayais juste de t'expliquer qu'est-ce qui te donne le droit de penser que tu peux séparer un fils de l'amour de sa mère. Comment oses-tu penser que tu es capable de séparer le fils de l'amour de sa mère? Comment oses-tu? Tu appartiens à l'enfer et c'est par là que je vais te renvoyer. Je n'ai jamais dit... Ferme-la! Ferme-la! Tu racontes des bêtises! Espèce d'idiote! Tu as assez fait de mal à ma famille! Si seulement tu m'avais écouté en laissant mon fils tranquille! Alors ma petite fille ne vivrait pas tout ce qu'elle est entre deux. Également ma fille! Et je ressens sa douleur! Je ressens cette douleur! Je ressens! Ah. Ah. Regardez-la! Regardez-la! N'importe quoi! Si tu étais incapable d'assumer ton rôle de femme, madame, n'essaye même pas de me refuser la nourriture que mon fils se bat à acheter tous les jours. N'as-tu pas préparé de la viande et du poisson sec? Oh oui, tu l'as fait. Simplement parce que j'ai humé l'odeur. Mais qu'est-ce que tu m'as servi? Juste de la viande. Pas de poisson. Juste de la viande. Suis-je un enfant? Penses-tu que je suis un enfant? Ma fille, avant que tu me dises quoi que ce soit, laisse-moi te dire pourquoi je suis là. Ça sera peut-être difficile à croire. Mais je ne suis pas venue ici pour te faire la guerre ou encore te créer des problèmes. J'ai reconnu toutes mes erreurs. Et je suis là. Pour m'amender. Je sais que pour toi,
Ces mots semblent très difficiles à croire. Seul Dieu. Dieu seul est mon témoin. Du fond de mon cœur. Au nom de la vérité. Je suis tellement désolée. Vraiment désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. S'il te plaît. Trouve la force au fond de ton cœur pour me pardonner. Mademoiselle Sarah, que faisons-nous exactement ici? Ta mère m'a demandé de t'apporter quelque chose à manger. Alors, bois d'abord cette eau. C'est incroyable. Je me disais qu'elle pensait que j'avais faim. Oh Dieu. Termine ton eau. Gentille fille. C'est bon, j'ai vidé mon verre. Bien. Maintenant, tu vas rester dans ta chambre pendant que je vais te chercher quelque chose à manger, ok? Pourrais-je avoir de l'igname et de la sauce aux légumes? Adézé, tu sais très bien que ce n'est pas au menu aujourd'hui. Et tu vas manger ce qu'il y a au menu. Ok? Maintenant, s'il te plaît, ne me pose plus de questions. Ok. Comme ça, ma maman et ma mamie vont bagarrer. Adézé, pourquoi dis-tu cela? Je les aime beaucoup toutes les deux. Mais elles n'ont pas l'air de s'entendre, comme toi et moi. Pourquoi, mademoiselle Sarah? Ça va aller. Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Ok? Mets-moi un joli sourire sur ce visage. Souris pour moi. Je reviens. D'accord. Là, je sais que ça va paraître un peu cliché, mais tu es absolument magnifique. Et toi, t'as bon goût. Tu me flattes, là. Tu sais, si tu me laisses choisir ta robe de mariage, je ferai en sorte que toutes les personnes du monde entier voient combien tu es absolument magnifique. Tu me fais me sentir spéciale. Mais bien sûr que t'es spéciale. Tu sais quoi? Maintenant que tu m'as dit oui, j'irai dire à tes parents que je suis prêt. Et ma famille viendra rencontrer ta famille. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas une seconde. Eh bien, je dirai à mon père de demander 2 millions de naira pour ma dot. Hein? Ça n'arrivera pas. Parce que ton père est un grand homme. Il n'est pas comme cela qui court après leur beau-fils simplement à cause de l'argent. Ton père connaît la tradition. Et il respecte tout autant le fait que ce soit le mariage et non une transaction d'argent. Oh, mon cœur, comment sais-tu tout ça, hein? Parce que j'étais là quand ta grande sœur se mariait. Je t'aime. Tu sais quoi? Et quoi? Je t'aime tellement. Et je ne te laisserai jamais partir pour le moindre du monde. Parce que je t'aime encore plus.
Tu m'aimes? Oui. À quel point est-ce que tu m'aimes? À quel point? Un, deux. À quel point? Tu veux qu'on en parle? Je sais que t'es éveillé. Je sais comment tu respires quand tu dors. Sais-tu également comment je respire quand je ne veux pas être dérangé? Je suis vraiment surpris de t'entendre me dire que je te dérange. Daniel, que veux-tu que je te dise? Peut-être je devrais te dire que ta mère m'a présenté ses excuses et je n'ai cru aucun mot de ce qu'elle a dit. Ma mère t'a présenté des excuses? Eh bien, elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout le mal qu'elle m'a fait. Bébé. Si ma mère te présente ses excuses, pourquoi ne lui accorde pas le bénéfice du doute? Tu veux que je lui accorde le bénéfice du doute? Mon cœur, si ma mère te présente ses excuses, je peux parier sur ma vie qu'elle le pense. Écoute, je vais bien te croire, mais désolée, je ne peux pas. Je pense qu'elle cache quelque chose. Et je ferai tout mon possible pour découvrir ce que c'est. Bonne nuit. Bébé, je te l'ai dit un bon nombre de fois que ceci n'est pas une option que je compte envisager. Je sais que tu aimerais qu'on ait un autre enfant qui pourrait nous aider à soigner Daisy. Mais qu'est-ce qui nous garantit que si nous avons un autre bébé, il n'aura pas cette maladie? Bien sûr qu'on n'a aucune garantie. Maman. Bonjour, papa. Bonjour, mon bébé. Qu'il fait beau ce matin. Je sais. Je suis si contente. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je me suis finalement rendue compte. De quoi t'es-tu rendue compte? De quoi s'agit-il? Je me suis rendue compte que j'ai vraiment, vraiment besoin d'une petite sœur. Quelqu'un avec qui je pourrais parler et tout partager. Je ne sais pas si je suis la seule à y penser. Alors, quand est-ce que j'aurai une petite sœur? Ou alors un petit frère? Je pense que tu devrais poser la question directement à ta mère. Daniel, qu'est-ce que cela veut dire? Comment peux-tu lui dire ce genre de choses? Mon cœur. Oh, m'appelle pas ton cœur. Comme ça, c'est ma faute maintenant. Daniel, je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Mais très bien. Je sais maintenant à qui j'ai affaire. Lizzie, pas besoin de se prendre la tête pour ça. Ce n'est rien. Pourquoi devrais-je me mettre en colère pour rien? Peut-être parce que je suis une folle. Ou alors tout ce que ta mère te dit à mon sujet est vrai. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tout ce qui arrive de mal dans cette maison est toujours de ma faute. Lizzie, on ne parle pas de tout ce qui arrive de mal dans cette maison. On parle simplement de donner à Daisy une petite sœur ou un petit frère. Et de toi, moi, nous savons tous pourquoi elle n'en a pas. Alors, c'est de ma faute. Daniel, est-ce que... Ada. C'est bon. Je suis désolée d'avoir caché votre bonne humeur à tous les deux. Je vous demande pardon. Non. Bébé,
Mon ange. Mon ange. Mon cœur, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous demandez de me donner une petite sœur ou un petit frère. Vous amènerez tous les deux à vous battre. J'ai tellement mal de savoir que c'est à cause de moi que vous vous disputez pour la première fois. Je me sens mal à cause de ça. Bébé, écoute-moi. On ne sait pas... S'il te plaît. On ne se disputait pas à cause de toi, ok? Ça n'avait rien à voir avec toi. Et c'est censé me faire me sentir mieux. Ada, ta mère n'essaye pas seulement de te faire sentir bien. Elle t'a dit la vérité. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Je suis vraiment navré pour ça. Nous savons que tu as vraiment besoin d'un petit frère. Et je... Nous promettons de faire quelque chose par rapport à ça. C'est vrai, maman? Oui, bébé, ton père a raison. Bonjour, Osaro. Eh, bonjour. Ah, ah. Que s'est-il passé? T'as pas bien dormi la nuit dernière? Aïe. Pour te dire vrai, j'ai passé une mauvaise nuit. Mais comment est-ce que quelqu'un peut bien dormir lorsque la mère de nos employeurs est dans cette maison? J'étais très étonnée de la voir hier. Aïe. Je suis restée éveillée toute la nuit. J'attendais seulement le moment où j'allais entendre boum, bam, partout. Et que j'allais comprendre que comme, tu sais, dans Mission Suicide. Mais malheureusement, je n'ai rien entendu. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Pourquoi tu n'y vas pas pour découvrir? Hey. Osaro, s'il te plaît, si tu veux faire du commérage, va tranquillement à l'intérieur et convoque tout le monde pour une réunion de famille. Parce que je suis sûre que tout le monde aura envie de te raconter sa version de l'histoire. Hey, doucement. Tu vois ce que tu viens de dire? Je sais que tu veux faire du sarcasme. Mais la vérité, c'est que tu as lamentablement échoué. Pendant qu'on y est, donne-moi mon repas. Ne sois pas surprise. C'est que je vois la manière dont Monsieur Osaro et toi jouez. C'est exactement de cette manière que mon père et ma mère ont l'habitude de jouer. Et ça me plaît. Honnêtement, je pense que si tu te maries avec Monsieur Osaro, vos enfants adoreront votre manière de jouer. Alors, quand est-ce que tu te maries avec Monsieur Osaro? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te demande de me donner ma nourriture et toi, tu es là à rêvasser les yeux ouverts. Tiens ton repas. Grand-mère, papa et maman ont promis de me donner un cadet. Vraiment? Ça, c'est très bien. Ceci est une très bonne nouvelle. Je vais voir ce qu'elle a.
Avez-vous dit à votre fille ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez plus avoir d'enfant? On s'attend à ce qu'elle comprenne que... J'espère juste qu'un jour, s'il te plaît, je dois prendre cet appel. Allô? Je serai en retard au boulot aujourd'hui. Y a-t-il un problème? Non, tout va bien. Je voulais juste détendre l'atmosphère. J'ai préféré me retirer parce que personne n'était content. Ada, c'est que tu ne peux pas vraiment comprendre. C'est exactement le problème. Vous pensez que je ne peux pas comprendre parce que vous vous dites que je ne suis encore qu'un bébé. Mais tu sais quoi? Personne d'entre vous ne comprend ce que je ressens. Mon cœur, mais de quoi tu parles? Je sais que c'est un combat pour moi de faire comme les enfants de mon âge, mais s'il vous plaît, arrêtez de me faire croire que je suis différente. Je peux l'accepter venant de mes camarades ou des étrangers, mais pas de ma famille. Ataïzé. Maman, je suis peut-être malade, mais ça ne signifie pas que je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Ataïzé. Maman, je suis constamment à l'hôpital. Mes camarades me mettent de côté parce qu'ils pensent que je peux mourir à tout moment. Bébé, je sais ce que tu ressens. Non, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que ça fait de souffrir et... Les autres pensent que tu fais semblant. Ils vont même jusqu'à dire que je mens parce que je ne veux pas venir en classe. Je ne peux même pas faire de plan parce que je n'ai pas la possibilité de dire à quelqu'un que je serai à l'école parce que... Je pourrais avoir une crise et du coup, pas d'école. Bébé, ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que si, maman. Ça a tout à voir avec moi. Tu ne comprends pas que beaucoup de gens me jugent pour des circonstances que je n'ai pas demandées et que je n'arrive même pas à contrôler. Ajouté à cela, je vis dans la crainte et j'ai peur de faire des crises à n'importe quel moment. Mais tu ne connais pas le pire. Quoi? Le fait que mon père et toi pensez que je suis à l'origine de votre incapacité à faire un autre enfant et que je suis la cause des problèmes dans cette maison. Ça fait mal plus que toute autre chose. Je suis désolée, bébé. Je suis désolée, ok? Je suis désolée. Je suis désolée. Lizzie. Ton mari. Je me fiche de ce que Daniel t'a demandé de me dire ou de ce que toi tu veux me dire. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est ma fille et ce qu'elle traverse en ce moment. Qu'est-ce qui arrive à ma petite fille? Qu'est-ce qui lui arrive? A-t-elle fait une crise? Elle se porterait mieux si tu n'étais pas venue. Mais comment peux-tu me faire ça? N'ai-je pas assez souffert entre tes mains? Maintenant, ma fille pense que je la juge parce que les autres le font également, tout simplement parce que les tripanos. Lizzie, je suis ici pour m'amender de t'avoir maltraitée autant. Je me suis excusée et je t'ai supplié de me pardonner. Que tu me pardonnes ou non, c'est ma croix. Et je vais la porter. Oui. Tu as aussi fait une erreur. Tu connaissais ton génotype. Pareil pour mon fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as simplement épousé sans regarder derrière. Le résultat de cette erreur, c'est Adézé. Je m'attendais à ce que tu sois honnête avec toi-même une fois dans la vie.
et que tu reconnais simplement quelle est ta croix. Assez! Je ne te laisserai pas me faire porter le chapeau. Daniel allait-il me laisser partir? C'est de sa faute. Ah! Aussi bien que la tienne aussi. L'erreur vous revient à vous deux. En acceptant de vous marier. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Le mal est déjà fait. Je veux que tu sortes de chez moi tout de suite. Dis-le encore une fois. Et je partirai pour ne plus jamais revenir dans cette maison. Et rassure-toi que ce sera la toute dernière fois que toi et moi, nous nous regardons face à face. Adézé, qu'est-ce qu'il y a? Adézé, mon bébé, c'est bon. Ça va, je t'emmène à l'hôpital, ok? Mes clés! Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Oui. J'ai de bonnes nouvelles. Puis-je m'asseoir? Prenez place. Ok. Monsieur Aizé, il m'a rassuré qu'ils réconsidéreront leur proposition, disons, dans une heure. Vraiment? Oui. Comment avez-vous fait cela? On va dire que j'ai été très persuasive. Ah, merci. Je vous en prie. Infiniment. Je vous en prie, monsieur. Cet argent tombe à pic. Je le sais, monsieur, c'était un plaisir. Waouh. Vous. Waouh. Merci, monsieur. Vous me surprenez vraiment. Merci. Monsieur, ça pourrait être un appel important. Allô? Comment va Adézé? Ok, j'arrive immédiatement. Il faut que j'aille immédiatement. Ma fille est à l'hôpital. Oh, vous m'envoyez navré. C'est vous, vous n'avez pas besoin de le faire, mais je peux vérifier leur proposition et veiller à ce qu'elle arrive avec la deadline. Ouais. Ok, d'accord, merci. De rien, monsieur. Ça va aller, monsieur. Wow, comme c'est confortable. Sarah, parle-moi, non? Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais qu'est-ce qu'il y a, non? Parle-moi. Hein? Oh, Sarah, tu ne peux pas imaginer le genre de souffrance que cette fille traverse. Je suis entrée dans la pièce quand madame criait et j'ai vu Adézé coucher sur le sol pleurant. J'ai eu tellement mal. Sarah, écoute, je te comprends. Mais tu dois arrêter de pleurer. Je te comprends. Mais arrête de pleurer comme si elle était morte. Elle n'est pas morte. Je sais que cette petite fille est forte et qu'elle reviendra très bientôt. Tu sais qu'il y a beaucoup de tensions dans cette maison depuis l'arrivée de grand-mère. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'elle... Oh, Saro, tu sais très bien que la mère du boss a toujours été méchante avec madame. Mais n'oublions pas tout de même que d'autres facteurs auraient bien pu déclencher cette crise chez elle. Écoute, elle ne boit pas d'alcool. Elle ne fume pas. Elle ne fait aucun travail contraignant.
Je suis sûr que la seule chose qui aurait pu déclencher cette crise, c'est le stress qu'elle a rapporté du village. Je suis sûr que c'est ça qui a provoqué son changement de température corporelle. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer. Mais madame a vraiment ici. Madame prend très bien soin d'Adézé. Mais cette fille peut être têtue des fois. Adézé peut être très têtue au point de refuser de suivre les instructions du médecin. C'est... Je n'arrive pas à croire que Adézé... Non, ça va, ça va. Viens là. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure. Ça va. C'est bon, calme-toi. S'il te plaît, ne pleure plus. C'est bon, ça va. Désolée, désolée. Bonjour, ma chérie. Quoi? Il ne peut... Ok, calme-toi, calme-toi. Je te rejoins dans un instant. S'il te plaît, ne pleure pas. Ok. Qu'y a-t-il? C'est la fille de Lizzie. Elle a fait une crise et on l'a hospitalisée. Elle est drépanocytaire. Oh. Ça, c'est la meilleure. Comme ça, ton ami et son époux n'ont pas vérifié leur génotype avant de se marier. Chérie, comment l'aurais-je su? Ils se sont mariés il y a longtemps. Oh, Seigneur. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens prennent à la légère un problème aussi sérieux que celui de la compatibilité sanguine dans le mariage. C'est un peu comme se marier avec l'intention de faire des enfants, pour par la suite les faire souffrir pour quelque chose qu'ils n'ont jamais demandé. Ce n'est pas juste. Oh mon Dieu. Ah. Je suis désolé bébé, je suis désolé de m'être emporté comme ça. C'est pas grave mon cœur. Tu veux que je t'amène à l'hôpital pour que tu les vois? Oui. Ok. D'accord, ta ceinture. Mais est-ce que ça va? Dans ce cas... Je suppose qu'on peut y aller. Grand-mère, qu'ai-je bien pu faire pour mériter une vie de souffrance? Est-ce que je vais mourir? Non. Que Dieu m'en garde. Une telle chose ne t'arrivera jamais. Alors, pourquoi tu pleures? Mon Dieu. Peut-être que je ne suis pas aussi forte comme la Boss Lady. Mais ne t'inquiète pas. Aussitôt qu'on aura trouvé un donneur, ils t'opéreront et te feront une greffe de moelle osseuse. Tu t'en remettras. Compris? Tu t'en remettras. Ma Boss Lady. Bien évidemment, la greffe de la moelle osseuse n'est pas une intervention chirurgicale. C'est semblable à une transfusion sanguine. La moelle osseuse de votre fille se fera à partir. Une vieille moelle. Les nouvelles cellules resteront son système immunitaire et commenceront à produire des cellules sanguines normales. Notons qu'il pourrait y avoir des risques. Son corps pourrait faire un rejet de greffe et votre fille pourrait mourir de suite de complications. En effet, le docteur qui nous a reçus la dernière fois nous l'avait déjà expliqué. Docteur, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour que ma fille guérisse. C'est la pire des crises qu'elle ait jamais eue. Et j'ai peur qu'elle ne survive pas à une autre. Ça aurait été encore beaucoup plus facile si elle avait d'autres frères qui auraient pu être des potentiels donneurs.
Dommage, ce n'est pas le cas. Nous devons attendre qu'un donneur se présente. Par ailleurs, des options se présentent à vous, notamment... Docteur, je suis prête pour n'importe quelle option disponible. S'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver ma fille. Je vous en supplie. C'est compris. C'est compris. Nous ferons de notre mieux. C'est compris. Nous ferons de notre mieux. Lizzie, ça va, mon cœur? Que fais-tu dehors? Adézé va bien? Elle va bien? Je n'en peux plus. Je suis à bout. Lizzie, je suis vraiment désolée pour ta fille. Où est-elle? Elle dort. Et pourquoi restes-tu dehors à pleurer? Je ne peux pas supporter de voir ma fille s'en aller en souffrant. J'ai été habituée à vivre dans la douleur. Mais de là, à voir ma propre fille souffrir de la sorte, j'aurais pu l'en épargner. Si Daniel et moi avions fait ce qu'il fallait. Lizzie, ça va. C'est bon. Ça va. Sois forte, ça va aller. Sois forte pour elle, s'il te plaît. C'est bon. Chut, ça va aller. Calme-toi. Tout ira bien. Allô? Osaro, qu'est-ce que tu viens de dire? Espèce d'idiot. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle a raccroché le téléphone juste comme ça. Osaro, c'est quoi ton problème? Hein? Est-ce parce que tu ne comprends pas le français ou tu as intentionnellement raccroché l'appel? Osaro, tu n'es pas le seul intellectuel ici. Et pourquoi ne raccrocherais-je pas le téléphone? Non, dis-moi, pourquoi je ne raccrocherais pas? Hein? Sérieusement, n'as-tu pas de conscience? N'as-tu pas un cœur? Tout le monde est préoccupé par la condition d'Adès et toi, tu m'appelles pour la nourriture. Arrête ça et sois un peu raisonnable une fois dans ta vie. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler ainsi? Oh, tu veux dire que je ne suis jamais raisonnable? Maintenant, écoute-moi, j'ai très faim. Va dans cette cuisine et sers-moi à manger. Et si tu dis non, j'irai là-bas et je me servirai à manger. Osaro, tu ne le feras pas. Tu veux voir? Osaro, où comptes-tu aller? Ça signifie quoi, ça? Écoute, respecte-toi. Oh. Respecte-toi. Si tu ne me laisses pas passer maintenant, ce que je vais te faire, tu ne vas pas aimer. Oh, vraiment? Oui. Vas-tu me frapper? Osaro, je te demande, vas-tu me frapper? C'est quoi ton problème? Hein? Non, honnêtement, n'as-tu pas un peu de compassion? Hein? Ne sais-tu pas qu'un homme en famille est un homme en colère? C'est quoi ton problème? Donne-moi manger, j'ai faim, moi. Ifoma, tu commences à m'inquiéter. Tu te comportes étrangement depuis que nous sommes partis de cet hôpital. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais qu'on parle? Désolée de t'avoir inquiété. C'est juste que cette situation d'Adésée me prend vraiment la tête. Mon cœur, cette petite fille vit l'enfer en ce moment. Je sais que t'es quelqu'un de bien. Ça t'affecte à ce point à cause de l'amour que tu portes à ton ami et à sa famille. Mais tu peux voir comment juste une petite erreur, le fait de n'avoir pas vérifié leur génotype,
affectent grandement tout le monde. Ils étaient si amoureux l'un de l'autre. Tu penses honnêtement qu'ils ont fait le bon choix? Sûr de vouloir ça? Non, j'ai trop hâte. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Parfois, je pleure quand je me rappelle que je souffre de drépanocytose. Je pleure parce que je souffre énormément. Je pleure quand je fais des crises car je me dis que ça pourrait être mon dernier moment sur Terre. Parce que j'ai appris que les personnes atteintes de drépanocytose peuvent mourir très jeunes. Parfois, je demande à Dieu pourquoi moi. Maman, je t'aime tellement fort et je suis fière que tu sois ma mère. Je t'aime aussi, mon ange. Je prie et je demande à Dieu de m'aider. Mais de quelle autre aide ai-je besoin quand j'ai les meilleurs parents que tout enfant rêverait d'avoir? Vous êtes avec moi quand je fais une crise. Vous êtes tous les deux les premières personnes que je veux voir quand j'ouvre mes yeux. Je t'aime fort, papa. Je t'aime, maman. Mon bébé. Je t'aime tellement. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Tu es toute ma vie. Je t'aime. Tout ceci, c'est de ma faute. Comment ai-je pu faire ça à mon propre enfant? J'aurais dû écouter Lizzie et la laisser partir. Si on ne trouve pas une personne compatible, elle... Non, je ferai tout ce qu'il faudra pour voir ma fille libérée de cette maladie. Monsieur, tout est prêt. Merci. Allô? Allô, docteur? Oui, je suis à la maison.
Que dis-tu? Oh, ok. Oh, ouais, la boss lady s'est réveillée. Ah, Neo, tu t'es réveillée? Oui, grand-mère. Et merci d'être là pour moi. Mais que dis-tu? Si rester auprès de toi était un sacrifice, alors je resterai encore et encore. Je me sacrifierai encore et encore. Hein? Ada, tu dois avoir très faim. Il y a à manger pour tout le monde. Chérie, tu vas bien? Grand-mère, est-ce que tu vois ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui suis malade. Mais c'est à maman que papa accorde toute son attention et pas à moi. Adézé, s'ils ne prennent pas soin l'un de l'autre, comment pourront-ils avoir la force de prendre soin de toi? Ma grand-mère a raison. Hein? Il est tout cet amour, c'est pour toi. Ok, assez parlé. Il y a à manger pour tout le monde. Allez, mangeons. Écoute, moi, les maladies détectées chez les couples ayant un génotype AS sont très dangereuses. Et des médicaments pour soigner cette maladie sont rares dans ce pays. Ah, et tu sais, nos services de santé ne disposent pas d'assez de matériel adéquat. Ah, Ifioma, j'ai décidé de venir personnellement, car je pense que cette histoire te concerne. Quoi? T'as pas l'air de comprendre ce dont je parle là. Ils sont déjà mariés. À chaque fois qu'elle tombera enceinte, il y aura 500% de chance que cet enfant naisse avec des gènes SS. Cet enfant aura des globules rouges anormaux, ce qui sera difficile pour que ces globules rouges produisent assez d'oxygène. L'enfant souffrira alors de douleurs atroces. Quand les hématies falciformes se logeront dans ces petits vaisseaux sanguins pour les phagocyter, ce qui empêchera alors l'écoulement sanguin vers ses organes. L'enfant sera atteint de drépanocytose. Pas étonnant. Pas étonnant qu'elle refuse d'avoir notre bébé. Quel est ton génotype? Bien, Ifeoma, je vais devoir te laisser. Attends. S'il te plaît, j'aimerais savoir. Y a-t-il un moyen pour la femme enceinte de savoir si le bébé est infecté? Ou alors s'il porte le gène SS? Les examens prénataux et le counseling. Il s'agit d'une procédure mise en place au début de la grossesse, dans le but de détecter si le fœtus porte des gènes SS ou non. Eh bien, nous l'avons dans ce pays, mais la question est, as-tu les moyens? Pourrais-tu supporter le traumatisme émotionnel quand tu découvriras que le bébé est
atteint de cette maladie. C'est le feu tu portes, les jeunes SS. Prendras-tu la décision d'interrompre la grossesse ou la garder, connaissant les dépenses financières relatives à l'importance du suivi, en suivi thérapeutique et postnatal de l'enfant. Ma poitrine. Je sais. Maman, ça fait mal. Je sais. Très mal. Je sais, je sais. Tu irais bien, bébé. Tu irais bien. Ma bosse le dit désolée. Oh. Je sais. Désolée. Je suis là. Je suis là, je suis désolée. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver, ok? Ma tête. Allez, allez, appelez le docteur. Ils seront bientôt là. Attends, désolée, oh. Ma poitrine. Je suis là avec toi, ok? Grand-mère est en train de masser tes pieds. Maman est là. Ça va aller, ok? Poitrine. Rien ne va t'arriver. Maman est là. Oh. Mon Dieu. Mes oreilles, maman. Désolée, bébé. Allez, allez. Monsieur? 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 Non, désolé, tu ne peux pas... Désolée. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les documents que vous avez demandés. Ah oui. Merci. Je vous en prie. Monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous pouvez disposer. Monsieur, vous n'avez pas l'air très bien à mes yeux. Je vais bien, merci. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Ok, merci. Allô? Danny, est-ce que ça va? Tu m'as l'air bizarre. Je vais bien. Juste fatigué. Comment va Adézé? Toujours faible. A-t-elle pris ses médicaments? Oui, elle l'a fait. T'as pas à t'inquiéter. Maman, oui, pourrais-je parler à papa? Oh, ta fille veut parler avec toi. Tiens. Allô, papa? Allô, boss lady. Je t'aime, papa. Moi encore plus, mon amour. Rentre vite, d'accord? Ok, dans le téléphone à ta mère. Bye. Oh, ok. Bébé? Oui, mon cœur. Prends soin d'elle, ok? Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Viens là, ma grande. Ça, c'est une situation vraiment difficile. Je veux dire, regarde comment tout le monde est stressé. Je ne pourrais même pas le souhaiter à mon pire ennemi. Oh, c'est très dur. Je ne veux même pas imaginer ce que cette famille endure en ce moment. Ouais, en fait. Mais Sarah, quel est ton génotype? Je suis AA. AA? Oui, je suis AA. Mais écoutez, Osaro, si j'étais AS, il n'y a rien dans ce monde. Quel que soit le décret d'amour, je ne pourrai jamais épouser une personne qui est AS. Je ne peux même pas essayer. Ha! Non, je vais dire, tu ne peux pas essayer. C'est normal avec tout ce que tu vois dans cette maison. Oui, non. Oui! Je veux dire, imagine-tu cette pauvre fée qui veut vivre pleinement sa vie. Mais elle ne peut pas, à cause d'une terrible maladie héréditaire qui l'en empêche. Imagine un peu. Hey! Non, ça fait très mal. Je vais dire, c'est vraiment très touchant. Hein? Bref. Je remercie Dieu que ceci ne nous arrivera pas quand on décidera finalement de se marier.
Oui, parce que toi, AA, moi, AS, c'est la meilleure combinaison pour que nous ayons des enfants en bonne santé. Alors comme ça, on aura... Osaro, hein? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Es-tu sûr que tu vas bien? Hey, ne me regarde pas comme ça. Parce que quand je te regarde, je te vois comme une visionnaire. Ne me juge pas par le boulot que je fais actuellement. Oui, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Si je te parle du nombre d'endroits où j'ai déjà déposé mon CV, tu seras fière de moi par rapport à mon futur. Mais oui. Hey. Osaro, alors dis-moi, ai-je l'air d'une personne qui va demeurer servante toute sa vie? Non, 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 tu m'as mal compris. Je sais que tu seras quelqu'un de bien. Hmm? Parce que j'ai la vision. Quand je te regarde, je sais que tu réussiras dans la vie. Ça, ça c'est certain. Oh. Et c'est pour ça que je te montre tout cet amour, toute cette admiration. Oh, tu n'as pas remarqué? Tu ne le vois pas? Ne t'en fais pas, ne ris pas. Dès qu'on me recrutera, je sortirai tous les matins et je prendrai soin de toi. Je vais te gâter, tu peux me croire. Écoute, je vais te laver. Pédicure, manicure, pompe, je vais te finir avec toi. Tu es contente? Tu es déjà contente, Sarah. Tu seras contente de me voir. Tu suis. Tu as essayé. Bien, c'est évident que j'ai dépassé mon temps d'accueil. Non, 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 attends. Laisse-moi retourner en cuisine. Non, attends. Parlons plutôt des noms qu'on donnera à nos bébés, attends, les enfants qu'on nous aura. On retourne au portail. Que dis-tu d'un nom pour qui? Rentre au portail. Que dis-tu? Ok, que dis-tu? D'un nom comme... Que dis-tu d'Andrea? Ou Jean? Et au Sarah Junior? Ah... Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire à ce sujet. Nous continuerons à chercher un donneur compatible. Une fois que nous aurons un, nous pratiquerons la transplantation. Faites juste de votre mieux. Assurez-vous de prendre soin d'elle. Allô, docteur, bonsoir. Oui, c'est moi, c'est moi. S'il vous plaît, j'aimerais savoir où est-ce que je peux trouver un donneur compatible pour ma fille. Ok, merci. As-tu dit quelque chose? Non, pas vraiment, madame. C'est juste que votre ami vous attend au salon. Qui? Ifoma, madame. Ok. Assure-toi d'éteindre le feu. Non, non, non. Yiffy, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose de mal est arrivé?
Lizzie, j'ai le cœur brisé. Je ne sais plus quoi faire. Emika, t'as-tu fait quelque chose de mal? Je suis confuse. Allez, ma chérie, s'il te plaît, tu dois te calmer et me dire tout ce qui ne va pas. S'il te plaît, parle-moi. J'ai toujours pensé que j'étais AA. Bref, c'est ce que ma mère me disait. Récemment, j'ai décidé de savoir quel était mon génotype. Bien sûr, je suis allée tout droit à l'hôpital. Ok. Mais j'ai menti. Je suis AS. Allez, avoir un génotype AS n'est pas une fatalité. C'est pour ça que tu pleures. Mais j'ai aussi menti à Emika. Je lui ai menti. Oh, comment? Ok. Mais tu n'avais pas besoin de lui mentir. Tu aurais dû lui dire. Je suis sûre que si tu lui avais expliqué, il t'aurait compris. Lizzie, il est également AS. Essayes-tu de faire la même erreur que j'ai faite? Mais je l'aime. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée au monde. C'est le meilleur homme que je n'ai jamais connu. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Tu me dis ça pour que je t'encourage. N'es-tu pas heureuse avec Daniel? Tu ne l'es pas? Vraiment? Alors, ce qui vous importe le plus, c'est votre bonheur. Et non les douleurs que l'enfant endurera toute sa vie. Daisy. Sais-tu ce que ça fait à un enfant de ne pas aller à l'école? Simplement parce que ses parents doivent éviter qu'il ne tombe malade. Non pas seulement parce qu'il est souffrant. As-tu une idée de ce que ça fait de ne pouvoir pratiquer absolument aucune activité sportive à l'école? Seulement parce que le professeur a peur de ce qui pourrait arriver. Sais-tu ce que ça fait de vivre avec le sentiment et la douleur de savoir qu'on est trépanocytaire? As-tu ne serait-ce qu'une idée de ce qu'un parent peut ressentir en voyant un enfant qu'il aime de tout son cœur souffrir et mourir à petit feu? Daisy, Daniel, ça suffit. Rentre dans ta chambre, maintenant. Tu es AS et tu veux épouser un homme qui est également AS. Il ne s'agit pas seulement de toi. S'il te plaît, ne mets pas un enfant au monde pour qu'il vienne souffrir d'affreuses douleurs. Oh mon Dieu! Bébé! Bébé! Ada! Ada! Ça va aller, bébé. Tu iras bien. Allez. Mon ange, puis-je te poser une question? Oui, maman, vas-y. Penses-tu réellement que ton père et moi t'avons mis au monde pour que tu souffres de douleurs aussi atroces? Doucement, bébé. Je suis au courant que tu étais déjà enceinte de moi avant que papa et toi nous découvriez que vous étiez AS. Bébé, je ne t'aurais jamais mise au monde si j'avais su. Maman, tu es une très bonne mère. Et je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime aussi. Mais tu viens de me convaincre que plus jamais dans ta vie tu ne mettras au monde un enfant pour qu'il vienne subir des douleurs aussi atroces. Je t'ai convaincue? J'ai toujours voulu des cadets. Et je suis sûre que papa et toi auriez aimé avoir d'autres enfants.
Et c'est à l'hôpital que j'ai réalisé que vous aviez peur d'avoir un autre enfant. Car vous ne voulez pas qu'il ait cette maladie. Papa, malgré ça, voudrait avoir un autre enfant. Ce qui permettra au docteur d'utiliser sa moelle osseuse pour me guérir. Je suis au courant de tous les ennuis par lesquels vous passez. Merci, ma fille. Je te promets que Dani et moi ferons tout le possible pour... On fera tout pour que tu aies un traitement. Bonsoir, bébé. Mon cœur. Bienvenue, papa. Merci, Boss Lady. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Ils n'ont pas encore trouvé un donneur compatible. Comment tu vas, Boss Lady? Super bien. Et ta journée? Belle. T'es radieuse. Maman te tient compagnie. Tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi. Ou même de me détester. Peut-être que j'étais en colère parce que je pensais que tu es intentionnellement tombée enceinte pour forcer mon fils à t'épouser. Et le problème selon lequel tous les deux vous êtes AS est survenu. Vous avez eu Adézé. J'ai appris qu'elle pouvait souffrir de la trépanocytose. Et j'ai pensé que je ne souhaiterais jamais avoir de tels petits-enfants. C'était tellement superflu pour moi de l'accepter. Mais après l'analyse de la situation, il m'a été évident d'accepter que toi et Daniel étaient follement amoureux l'un de l'autre. Et que vous vous êtes beaucoup investis tous les deux. Financièrement et émotionnellement. Ma fille, je suis vraiment, vraiment désolée. Vraiment désolée pour toutes les choses que je t'ai fait vivre. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Biko. Adézé n'avait que 2 ans seulement. Elle est venue vers moi. Elle se plaignait de douleurs atroces. J'ai observé ma fille et j'ai exactement réalisé qu'elle souffrait. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Les docteurs ont fait un tas d'examens. Et puis ils m'ont dit que ma fille souffrait de... Le docteur m'a dit que ma fille... C'est bon, ma fille. C'est bon. Thank you.
Qui est-ce? Ifoma. T'as pleuré? Qu'est-ce que t'as? Hein? Je dois parler à quelqu'un, sinon je vais devenir folle. Ouais. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Viens t'asseoir, allez, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, allez, assieds-toi. Dis-moi, quel est le problème? Je te promets que je vais le régler. Je m'en occupe. Je t'en prie. J'ai cherché le meilleur moyen de te l'annoncer, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas le faire, c'est trop dur. Tu ne peux pas faire quoi? Qu'y a-t-il? Je ne peux pas t'épouser. Tu ne peux pas m'épouser? J'ai fait quelque chose de mal? Tu n'as rien fait de mal. Alors, est-ce qu'il y a un autre homme? Tu me brises le cœur avec ce genre de questions. Cela n'a rien à voir avec un autre homme. Je n'aurai jamais demandé un meilleur homme que toi. Vas-y, parle-moi. Que veux-tu dire? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'as? Ton génotype, c'est AS, n'est-ce pas? Ouais, je sais, c'est ça, c'est ça. Et alors? Parle-moi, qu'est-ce que... Que se passe-t-il? Je suis AS. Dis-moi que tu me fais une blague. C'est seulement... Si seulement... Et mes cas, si seulement c'était lui. Oui, fais entrer. Salut, chérie. J'ai dû le faire. J'ai dû le laisser partir. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai dû prendre, mais je n'avais pas le choix. Je suis vraiment désolée, chérie. Je suis désolée. Ça va aller, ok? Je suis désolée. Tout irait bien, ok? Hey, boss lady. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci, merci, mille fois merci. Tout le monde, bonne nouvelle. Ils viennent juste de trouver un donneur compatible pour Adézé. On va à l'hôpital tout de suite. Ah, ah, je suis prête. Dieu. Tu es prête pour ça? Je suis prête. Super, allons-y. Oh, Tineke, tu es grand. D'accord, oh, allons-y. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Dépêchons-nous. Merci, merci Seigneur. Tout ira bien, ok? C'est bon, ok? Thank you.
Ouais, c'était incroyable. Je suis si excitée. Dieu, il a finalement exaucé nos prières. Ah oui. Ah. La crise a commencé dans la voiture. Nous ne pouvons pas effectuer la transplantation maintenant. Elle doit d'abord prendre des forces. Aussi vite que Daniel me l'a dit. Je pensais qu'elle irait mieux après la transplantation. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur a dit que son corps n'a pas accepté le gros. Hé, hey, Timo! Ada, qu'est-ce qu'il y a? Qui est ce bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais c'est du sang. Maman, va appeler le docteur. Ça va, maman est là, maman est là. Maman, je veux vomir. Ok, laisse-moi t'aider. Bébé. Bébé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bébé, bébé, maman est là, maman est là. Ça va, bébé. Ça va. Maman est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va aller, maman. Ada, parle. Ada. Ada. Docteur, docteur. Docteur, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a souffert d'une défaillance hépatique aiguë. Ok, ok, et? Désolé, nous l'avons perdu. Vous quoi? Non, 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 non. Ada, 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 Ada. Infirmière, venez avec moi. Ada! Ada, non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Ada, s'il te plaît, Ada, réponds-moi, s'il te plaît, Ada. Ada. Quoi? Ada. Qu'est-ce Ada, s'il te plaît. Ada, bébé. Réponds, s'il te plaît. Bébé. Ada, non, s'il bébé. Te plaît, Ada. Bébé, s'il te plaît, remets-toi. Ada, oui. S'il te plaît, bébé. Dis-moi que c'est faux, je sais que c'est faux. Tu dors, n'est-ce pas? Je vais bientôt te réveiller. Bébé, maman, maman, ta mère. Souviens-toi que tu m'as appelée la meilleure maman. La meilleure de toutes les mères. Ne me fais pas ça, bébé. Maman. Maman. C'est ok. Tu m'as appelée la meilleure maman au monde. Réveille-la pour moi. Réveille-la. Bébé. Pourquoi est-ce que... Réveille ta fille. Dis-lui que maman est là. Maman. Qu'est-ce que passe-t-il? Yvie, bienvenue. S'il te plaît, réveille Ada ici pour moi. Dis-lui que je suis là. Dis-lui que je suis là. Vite, va. Ada? Oui, elle t'a répondu. Elle t'a répondu. Maman! Dis-lui que je suis là. Réveille-la
Ta maman, elle m'a dit qu'on restera toujours ensemble. Adam m'a dit qu'elle deviendra un docteur. Elle ne peut pas dire aussi. Adam, lève-toi. Dis-lui de se réveiller. Elle s'est réveillée. Calme-toi. Non. Non, 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 non. Calme-toi. Bébé, ne me fais pas ça. Réveille ta fille. Sais-tu que je suis là, elle m'a promis qu'on restera toujours ensemble, qu'elle deviendra un docteur. Réveille-la pour moi. C'est bon, ça va aller. Réveille-la pour moi, oui, allez. Réveille mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Que quelqu'un la réveille pour moi, non. C'est bon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.